Salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire ces jolis carrés au crochet. Donc assez simple à faire, c'est beaucoup de répétitions, mais c'est très agréable à faire et en plus c'est super joli, donc le rendu est magnifique. Je trouve vraiment ça trop top. Aujourd'hui on va faire ce carré avec la fleur et vous n'êtes pas obligé de le faire pour la pochette, vous pouvez aussi le faire pour quoi que ce soit, il est super sympa. Comme je vous ai dit, vous pouvez faire n'importe quoi avec une couverture, tout ce que vous voulez. Bref, les filles, pour ce tuto, j'utilise du fil de coton. Et j'utilise donc le crochet recommandé, qui est recommandé sur l'étiquette du coton, qui est 5 mm. Donc, les filles, si vous êtes prêtes pour ce tuto, n'hésitez pas, laissez-moi un petit pouce en l'air. Si vous pensez que ces fleurs sont jolies, laissez-moi un petit commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous serez notifié de toutes les nouveautés sur la chaîne. Allez les filles, préparez vos affaires et puis on se retrouve dans un instant pour démarrer ensemble. À de suite. On commence donc par faire un cercle magique. Une maille en l'air que l'on va resserrer. Et maintenant, on va faire 13 demi-brides dans le cercle magique. Donc pour ça, on fait un jeté, on pique à l'intérieur du cercle, on ressort, 3 boucles sur le crochet, un jeté, je coule les 3 boucles. Et on obtient donc une demi-bride. Et on va faire la même chose 11 fois de plus. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et une dernière, 12. Voilà, on a fait 12 demi-brides. On va maintenant resserrer en tirant sur le petit fil ici. Et on va venir fermer en venant piquer dans la toute première maille. Donc dans la toute première demi-bride que l'on a faite juste ici. On fait une maille coulée dans celle-ci. Et maintenant, on va commencer à faire les pétales. Donc pour ça, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va venir faire un point pouf juste dans cette maille ici. Donc là où on a fait la maille coulée. Donc pour faire un point pouf, on fait un jeté sur le crochet. Je pique ici dans la maille. Là où on a fait la maille coulée. Et je tire une boucle comme ceci. Et je répète la même chose 3 fois de plus. Je fais un jeté. Je repique dans la même maille. Je récupère le fil. Je sors. Et je tire une boucle. Et je répète 2 fois de plus. 2. Et 1 fois de plus. Comme ceci. Là, j'ai donc 9 boucles sur le crochet, un jeté, je passe à travers les 9 boucles en une seule fois, je fais une maille en l'air et on a un premier point pouf. On va donc répéter
la même chose dans cette maille. On fait un second point pouf juste ici. Donc dans le premier, dans la même maille. Je tire donc 4 boucles comme ceci. Un jeté, je coule les 9 boucles. Une maille en l'air et j'ai un second point pouf, ce qui va nous former une pétale. Pour finir la pétale, on fait 2 mailles en l'air, 1, 2. On va venir piquer toujours dans le même point. Donc ce sera bien sûr le centre de la pétale. Juste ici. Et je fais une maille coulée. On obtient donc une première pétale. On va répéter ça 6 fois de plus. Pour répéter, on va sauter la maille suivante qui est juste ici. Et on va aller dans la maille d'après. On fait une maille coulée. Et on répète 3 mailles en l'air. 2, 3. Un point pouf, piqué dans cette même maille, là où on a fait la maille coulée. Là, j'ai un premier point pouf, j'en fais un second dans la même maille. Un second point pouf. Et je fais 2 mailles en l'air et une maille coulée dans la maille ici pour fermer la pétale. On a donc 2 pétales, il nous en reste 4 à faire. On saute donc la maille suivante qui est ici. On part dans celle d'après, on pique dans celle d'après, pardon, une maille coulée et on répète la même chose. Je vous laisse donc mettre pause et donc répéter les 4 pétales qui vous restent à faire. Et on se retrouve pour passer à la suite. J'ai fermé la dernière pétale. Donc on devrait avoir une maille ici restante. On va tirer la boucle comme l'on a sur le crochet ici. On va venir piquer dans la toute première maille. Donc là, on a fait la première pétale, juste ici. Et on vient piquer par derrière. On accroche la boucle sur le crochet. On passe à travers. Et ici, on va couper le fil et venir passer donc le bout de fil restant dans la boucle. Et on va tirer comme ceci. Donc là, on est sur l'arrière de la fleur et sur le devant. Maintenant, ça va être important de venir bloquer les fils ici pour l'étape suivante. Donc, j'insère les fils dans l'aiguille et je m'assure de bien bloquer. Pour la suite, on va venir donc faire le cœur et pour faire ça, on va travailler sur l'arrière. Donc ici, j'ai l'avant de la fleur, l'endroit plutôt, et ici l'envers. Donc on va prendre 100 nouveaux fils, pour moi du gris ici. Et maintenant, on va venir piquer dans chaque petit espace que les pétales ont créé. Donc par exemple, ici on a le centre, donc le cœur. Et juste au-dessus, là où on a créé les pétales, on a des petits espaces. Et si vous comptez normalement, vous arriverez à en trouver 12 à 13. Ils sont juste ici. En fait, ce sont tout simplement les demi-brides que l'on a fait au premier rang. Donc on va piquer à l'intérieur d'une demi-bride. Et on va ressortir par le centre du cercle. Ici, on va insérer notre fil, comme ceci. Et je passe donc à travers,
comme ceci. On va faire une maille en l'air. Je pique dans la bride, demi-bride suivante. Je ressors dans le cœur. J'attrape le fil et je sors. J'ai mes boucles sur le crochet. Je vais faire un jeté. Et je forme donc une maille serrée. Je pique dans la demi-bride suivante. Donc vous pouvez voir juste ici, juste avant la pétale. Et je recommence. Je sors dans le cœur. Je récupère le fil. Je passe à travers. Et je fais une maille serrée. Pensez à retendre votre fil pour ne pas avoir des mailles serrées trop lâches. C'est un peu dur au début, mais c'est voilà, il suffit d'attraper la technique et puis après ça va mieux. C'est un petit peu comme tout. Voilà, une deuxième maille serrée et je continue donc ainsi tout le tour. Et c'est comme ça donc on va former le cœur, le joli cœur que vous pouvez voir de l'autre côté de la fleur. Comme ceci. Donc on continue. Et on devrait finir avec 12 mailles serrées. Et si vous finissez avec 13, c'est pas grave du tout. Je vais vous montrer pourquoi. Donc on continue comme ceci. Alors je suis désolée, c'est pas très évident à faire en caméra, mais j'espère que vous voyez assez bien. Si vous avez besoin de plier la fleur pour vous aider, n'hésitez pas à le faire, bien sûr. Après le tout, c'est juste de piquer dans chacune des demi-brides que l'on a fait au premier rang et de venir piquer donc en ressortant au cœur de la fleur. Voilà, là je finis la dernière et avant de fermer je vais venir compter. Donc j'ai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 et 12 avec la toute première ici. Et donc dans la 12e, je vais venir fermer. Si vous en avez 13, vous en sautez une afin de venir fermer dans la seconde et donc obtenir 12 mailles serrées. Donc ici, on a fait le cœur. Vous pouvez vous arrêter ici ou bien vous pouvez continuer et donc faire un carré tout autour. Ici, je vais vous montrer comment faire le carré. Donc, pour faire le carré, on reprend le fil sur le crochet. Et ici, on va travailler donc derrière la fleur. On va faire 3 mailles en l'air pour une bride. Et on va faire 2 mailles en l'air parce qu'ici, on va créer un angle. Donc, dans cette même bride, dans ce même point ici, on va venir faire une seconde bride. Donc c'est là où on a piqué pour fermer. Donc on fait une seconde bride ici. Piquez bien sous les deux brins, que ce soit bien, ça reste bien solide. Je fais donc une bride. On va faire une bride dans les deux mailles suivantes. Une, deux. Dans la maille suivante, on va faire une bride, une, deux mailles en l'air, une, deux, et une seconde bride. Une, deux.
On va faire une bride dans les deux mailles suivantes. Une. Deux. Puis dans la maille suivante, une bride. Une. Deux mailles en l'air. Une. Deux. Et une seconde bride. Une. Deux. Je répète une bride dans les deux mailles suivantes. Une. Deux. Puis, dans celle d'après, une bride, deux mailles en l'air, une seconde bride, piquée dans la même maille bien sûr. Et on va partir donc pour les deux dernières brides, dans les deux mailles suivantes, une, deux, et on va venir fermer. En piquant dans la troisième maille serrée que l'on a faite en début de rang. 1, 2, 3. Comme ceci. Si vous voulez changer de couleur à ce point-là, vous pouvez. Moi, je vais continuer avec cette couleur. Et du coup, je vous montre de suite comment on fait. Cette fois-ci, on va faire une maille coulée dans l'espace, donc dans l'angle que l'on a créé. On va faire une maille coulée, puis on va faire une maille en l'air et on va tirer une boucle. Un jeté, je pique dans l'espace, je tire une seconde boucle. Un jeté, je tire dans l'espace, je tire une troisième boucle. Un jeté, je pique dans l'espace et je tire une quatrième boucle. Donc ici, on va créer un point pouf. Donc, je coule les 9 boucles et je fais une maille en l'air. Deux mailles en l'air pour séparer. Parce qu'encore une fois, on va créer un angle. Et on va refaire un point pouf exactement dans ce même espace. Un jeté, je coule une boucle et je répète 4 fois pour le point pouf. Je termine en faisant un jeté, je coule les 9 boucles sur le crochet, une maille en l'air. Et on a créé un angle ici, 2 points pouf. Maintenant, on va travailler entre chaque bride. Donc, on ne travaille pas dans la maille, mais entre les brides. Et entre la bride suivante, on va faire un point pouf. Une, deux, trois, quatre. Je coule les 9 boucles, une maille en l'air. Je passe dans l'espace suivant, je répète un point pouf. Je tire 4 boucles. Je coule les 9 boucles sur le crochet et je ferme par une maille en l'air. Et nous revoilà donc juste... Ah non, pardon. Il nous reste donc un espace. On fait un point pouf dans l'espace suivant. Comme ceci. On arrive ici dans l'espace, donc dans l'angle suivant. Et ici, on va répéter exactement la même chose. Donc, je fais un premier point pouf que je ferme avec une maille en l'air. Je sépare avec deux mailles en l'air afin de créer un angle et je répète donc un point pouf dans ce même espace afin de créer un angle. Quand vous faites le deuxième point pouf pour créer l'angle, n'oubliez pas de tourner votre travail, ce qui va aider à la création de l'angle, comme vous voyez. Et maintenant, je répète donc tout simplement un point pouf dans les trois espaces suivants et je recommence, donc je crée un angle dans l'angle, voilà, et je vais vous laisser mettre pause. On se retrouve à la fin du rang. À de suite. Donc si vous voulez pas changer de couleur,
il vous suffit simplement si vous voulez pas changer de couleur, il vous suffit simplement de faire une maille coulée dans l'espace suivant. Moi, je vais accrocher mon fil de nouvelle couleur et je vais prendre, je repars donc sur la couleur abricot. J'attache mon fil dans l'angle, donc je passe ici. Je vais faire un nœud pour sécuriser. Et je vais commencer donc à travailler dans l'angle. Donc j'insère mon crochet. J'insère mon crochet dans l'espace et je récupère mon fil orange. Je fais une maille en l'air, une seconde maille en l'air et maintenant je vais faire une moitié de bride. Donc un jeté sur le crochet, je pique dans l'espace, je récupère le fil, je coule deux boucles. Un jeté sur le crochet, je pique dans l'espace. Je récupère le fil, je coule deux boucles et là on aura fait deux moitiés de bride. Et maintenant on va attacher donc ces deux moitiés de bride plus les deux mailles en l'air ici en début de rang qui nous servent comme moitié de bride. On va les attacher ensemble en faisant un jeté, je coule les trois boucles. Et là on va faire une maille en l'air pour fermer. Je sépare en faisant deux mailles en l'air pour créer un angle. Et je recommence trois moitiés de bride. Un jeté, je pique dans l'espace, je récupère le fil, je coule deux boucles. Un jeté, je pique dans l'espace, je récupère le fil, je coule deux boucles. Oups. Un jeté, je pique dans l'espace, je récupère le fil et je coule deux boucles. On a donc fait trois moitiés de bride que l'on va venir fermer ensemble en faisant un jeté. Je coule les quatre boucles sur le crochet et je fais une maille en l'air pour fermer ce point. Ici, on aura donc créé un angle en faisant un groupe de trois brides attachées ensemble et séparées bien sûr par deux mailles en l'air. Maintenant, on va faire comme le rang précédent. On va venir travailler entre chaque point pouf, juste ici. Et on va faire trois brides attachées ensemble. Donc, on répète le même pattern. Trois moitiés de brides. Je coule les quatre boucles. Une maille en l'air. Je passe dans l'espace suivant. Je répète. Une moitié de bride. Une seconde moitié de bride. Puis une troisième. Je coule les quatre boucles. Je fais une maille en l'air pour fermer le point. Je répète dans l'espace suivant. Et puis, dans le dernier espace, avant de passer à l'angle ici, donc je fais un dernier point juste dans ce dernier espace. Voilà.
Donc, je vous récapitule. Donc, on a fait Donc, on a fait un groupe de trois brides attachées ensemble, séparées par deux mailles en l'air. Puis, on a fait trois brides attachées ensemble entre chaque point pouf. Donc, ça nous fait 1, 2, 3, 4, avant d'arriver à l'angle suivant. Donc, on va tout simplement répéter la même pattern. On répète un groupe de trois brides attachées ensemble, séparées par deux mailles en l'air. Puis, 4 points donc entre chaque point pouf. On répète ça pour les trois côtés restants. On se retrouve pour fermer le rang ensemble. À de suite. Si vous voulez pas changer de couleur, il vous suffit simplement de faire une maille coulée dans l'espace suivant. Moi, je vais accrocher mon fil de nouvelles couleurs et je vais prendre je repars donc sur la couleur abricot. J'attache mon fil dans l'angle, donc je passe ici, je vais faire un nœud pour sécuriser. J'insère mon crochet dans l'espace et je récupère mon fil orange. Je fais une maille en l'air, une seconde maille en l'air, et maintenant je vais faire une moitié de bride, donc un jeté sur le crochet, je pique dans l'espace, je récupère le fil, je coule deux boucles, un jeté sur le crochet, je pique dans l'espace, je récupère le fil, je coule deux boucles, et là on aura fait deux moitiés de bride. Et maintenant, on va attacher donc ces deux moitiés de bride plus les deux mailles en l'air ici en début de rang qui nous servent comme moitié de bride. On va les attacher ensemble en faisant un jeté, je coule les trois boucles. Et là, on va faire une maille en l'air pour fermer. Je sépare en faisant deux mailles en l'air pour créer un angle. Et je recommence trois moitiés de bride. Un jeté, je pique dans l'espace, je récupère le fil, je coule deux boucles. Un jeté, je pique dans l'espace, je récupère le fil, je coule deux boucles. Oups. Un jeté, je pique dans l'espace, je récupère le fil et je coule deux boucles. On a donc fait trois moitiés de bride que l'on va venir fermer ensemble en faisant un jeté. Je coule les quatre boucles sur le crochet et je fais une maille en l'air pour fermer ce point. Ici, on aura donc créé un angle en faisant un groupe de trois brides attachées ensemble et séparées bien sûr par deux mailles en l'air. Maintenant, on va faire comme le rang précédent. On va venir travailler entre chaque point pouf, juste ici. Et on va faire trois brides attachées ensemble. Donc on répète le même patron. La même pattern. Trois moitiés de bride. Je coule les quatre boucles. Une maille en l'air. Je passe dans l'espace suivant. Je répète. Une moitié de bride, une seconde moitié de bride, puis une troisième. Je coule les quatre boucles. Je fais une maille en l'air pour fermer le point. Je répète dans l'espace suivant. Et puis, dans le dernier espace, avant de passer à l'angle ici,
Donc, je fais un dernier point juste dans ce dernier espace. Voilà. Donc, on a fait un groupe de trois brides attachées ensemble, séparées par deux mailles en l'air. Puis, on a fait trois brides attachées ensemble entre chaque point pouf. Donc, ça nous fait 1, 2, 3, 4. Avant d'arriver à l'angle suivant. Donc, on va tout simplement répéter la même pattern. On répète un groupe de trois brides attachées ensemble, séparées par deux mailles en l'air. Puis, 4 points, donc, entre chaque point pouf. On répète ça pour les trois côtés restants. On se retrouve pour fermer le rang ensemble. À de suite. Voilà ce que l'on devrait obtenir à ce point-là. Donc maintenant, on va venir fermer le rang en venant faire une maille coulée sur le point, le premier point ici, donc les trois brides attachées ensemble, juste ici. Une maille coulée. Maintenant, si vous voulez changer de couleur, vous coupez le fil et tirez une boucle comme moi. Si vous ne voulez pas changer de couleur, encore une fois, faites une maille coulée dans l'espace précédent. Suivant. Tout simplement, une maille coulée. Donc, laissez-moi attacher mon fil. Là, je pars sur une couleur plus claire, donc pêche. Là, je fais avec les restes de pelote. Donc, pardonnez-moi si les couleurs ne sont pas très jolies. Pour ma part, je les aime beaucoup, mais voilà. Donc, j'attache mon fil. Je fais un petit nœud. Et là, on va travailler en bride. Donc là, c'est la partie la plus simple, je dirais. Parce que on maîtrise tous les brides normalement. Donc, j'insère mon crochet et je récupère le fil. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, je vais faire 2 brides. 1, 2. Toujours pareil, ici, on va venir créer un angle. Donc, 2 mailles en l'air. Et puis, dans le même espace, 3 brides supplémentaires. 1, 2, 3. Maintenant, encore une fois, on va venir travailler entre chaque espace. Et pour l'espace suivant, on va donc venir travailler et faire 3 brides dans l'espace suivant. 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, on va venir faire 2 brides seulement. 1, 2. Donc on a l'angle ici avec 3 brides séparées par 2 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, 3 brides. Dans l'espace d'après, 2 brides. Et dans l'espace suivant, encore une fois, une seule bride. Une. Comme ceci. On passe dans l'espace suivant et là, on repart sur 2 brides. Une. Deux. Et dans l'espace suivant, vous l'avez compris, 3 brides. Une. Deux. Voilà, donc petit récapitulatif, pour chaque côté. Donc on commence dans l'angle avec 3 brides séparées par 2 mailles en l'air, puis encore une fois 3 brides dans le même espace afin de créer un angle que vous voyez ici. Dans l'espace suivant, 3 brides, puis 2 brides, 1 bride, 2 brides, 3 brides.
Et puis là, bien sûr, on passe sur un nouveau côté, donc on recommence la même chose. Deux groupes de trois brides séparés par deux mailles en l'air, et ainsi de suite. On répète tout simplement ce que l'on a fait pour ce côté. Je vous laisse mettre pause, on se retrouve pour fermer ce rang et commencer l'avant-dernier rang. Pour fermer le rang, on vient piquer dans la troisième maille en l'air que l'on a fait en tout début de rang. 1, 2, 3 et qui nous servait de première bride. On pique sous les deux brins bien sûr et on fait une maille coulée. On va venir faire une maille coulée dans l'espace suivant. Donc entre les deux brides, je parle ici. Puis encore une fois entre ces deux brides ici. Et puis une troisième pour arriver ici dans l'espace, donc dans l'angle. Et on va commencer l'avant-dernier rang qui est très semblable, à celui-ci. Donc on recommence avec trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Deux brides. Une. Deux. Deux mailles en l'air pour créer un angle. Une, deux. Dans le même espace, un groupe de trois brides. Une. Deux. Et là, on repart donc dans l'espace suivant, un groupe de trois brides. Une, deux, trois. Donc là, pour le moment, c'est exactement la même chose. Dans l'espace suivant, un groupe de deux brides. Donc vous avez compris, dans l'espace suivant, une seule bride. Et c'est ici que ça change parce que dans l'espace d'après, au lieu de faire deux brides, on va refaire une seule bride. Comme ceci. Et puis on repart sur deux brides dans l'espace suivant. Une, deux. Et puis trois brides dans l'espace suivant avant d'arriver dans l'angle. Voilà pour le côté, comment on va procéder cette fois-ci. Deux groupes de trois brides séparés par deux mailles en l'air dans l'angle. Dans l'espace suivant, un groupe de trois brides. Dans l'espace suivant, un groupe de deux brides. Dans l'espace suivant, une bride. Dans l'espace suivant, encore une bride. L'espace d'après, deux brides. L'espace d'après, trois brides. Et là, on recommence dans l'angle. Donc, deux groupes de trois brides séparés par deux mailles en l'air. Je vous laisse mettre pause et on se retrouve pour fermer le rang. On vient donc fermer, donc comme pour le rang précédent, on pique dans la troisième maille en l'air, juste ici. Sous les deux brins. Donc ici, si vous décidez de changer de couleur, on va faire tout simplement, on va venir s'attacher dans l'angle ici et faire un nœud. Si vous gardez la même couleur, dans ce cas-là, on fait une maille coulée dans l'espace suivant, une maille coulée dans celui d'après et une maille coulée ici dans l'espace de l'angle. Et puis, on pourra commencer le rang final. Pour ma part, je change de couleur, donc je bloque mon fil avec une maille en l'air. Et cette fois-ci, je vais repartir. Donc là, j'utilise les fins de pelote, donc je suis assez limitée en couleur. Je vais utiliser encore une fois... Donc je vais repartir sur abricot. Donc je m'attache dans l'angle. Je fais un nœud. Vous avez vu, c'est très répétitif, hein, ce carré.
mais je le trouve très très joli quand même. Si vous choisissez les bonnes couleurs, ça peut être très très sympa, comme ici par exemple. J'adore vraiment ce mélange des deux couleurs, donc pistache et puis menthe. Je trouve c'est vraiment très sympa. Donc, je récupère mon fil et cette fois-ci, on va faire trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Ici, on va faire deux mailles en l'air de plus parce qu'on est dans l'angle. Et on va faire une maille, une bride, pardon, dans ce même espace. Cette fois-ci, on va venir travailler dans chacune des brides du rang. Donc ici, j'ai la première bride ici. Donc je passe, je pique sous les deux brins. Cette fois-ci, on ne travaille plus entre les brides, mais on travaille dans la tête de bride, je dirais. Donc ici, une bride. Puis dans celle d'après, une seconde bride. Deux. Je passe dans la suivante. 3. Et je répète tout simplement la même chose. 4. Donc on va faire ce côté ensemble. On va voir combien on a de brides pour un côté. 5. Donc je pique tout simplement sur chacune des brides. 6. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17 et 18 dans la dernière, juste ici. Voilà, juste ici. Ça, c'est la dernière. On répète tout simplement la même chose. Pour les trois côtés restants, donc je vous montre une bride dans l'espace ici, une, deux mailles en l'air pour faire donc pour créer l'angle, et puis une seconde bride donc dans le même espace, et donc là on aura créé notre angle, et puis on peut commencer par faire une bride dans la toute première bride ici, une. Et on continue ainsi tout le tour jusqu'à qu'on arrive à l'angle suivant et on recommencera la même chose. Je vous laisse finir ce rang, on se retrouve pour voir le rendu final et puis voilà, on aura terminé notre carré. On vient fermer le dernier rang, enfin les filles, on a terminé ce joli carré. Vous savez donc comment faire votre carré avec votre fleur ou bien votre partie numéro 1 pour la pochette. Vous publierez la seconde partie dès la semaine prochaine. C'est exactement la même chose, sauf que c'est sans la fleur. Donc, c'est pas compliqué. Mais bon, on verra ça la semaine prochaine. Et puis enfin, on verra comment faire la bandoulière pour la pochette. Aussi, ajouter la fermeture éclair et assembler les pièces ensemble. Donc, pour le moment, on vient finir ce carré en piquant dans la troisième maille en l'air que l'on a fait en début de rang. Et on fait une maille coulée. Encore une maille en l'air et je tire. Voilà les filles. Donc maintenant, il est important ici de bien venir cacher tous vos fils. Je vous laisse faire ça et on se retrouve dès la semaine prochaine. Pour continuer donc la version numéro 6 qui sera la
partie numéro 2 de la pochette. À bientôt les filles, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu. Laissez un petit commentaire et un petit pouce en l'air. Merci les filles, à bientôt.